Voilà. Donc, Éric Poujade s'élance pour le sol masculin. Première diagonale, tout va bien. Voilà, Brice salto arrière est déjà... Déjà un petit élan un peu trop prononcé et il sort du tapis. Mais ce n'est pas fini. On a toute sa série avant. Pas de problème sur cette deuxième série acrobatique. Donc sur la première diagonale, avec la sortie, une petite pénalité d'un dixième. Éric Poujade, très affûté pourtant. Voilà une position stabilisée en planche sur une jambe. Obligatoire, imposée par le code, mais qui permet aussi au gymnaste de récupérer. Et attention, c'est ici que ça va se gâter dans la dernière diagonale. Et voilà comment un gymnaste de classe mondiale va perdre le titre de champion de France. Voilà, Brice salto arrière groupé et roule à derrière, grosse sortie praticable. La chute, juste la sortie, énorme pénalité et Eric ne pourra plus revenir pour défendre le titre. Et on va le suivre à la caméra, il salue le public, Éric Poujade qui pensait bien que sous sol, eh bien, tout se passerait bien parce que derrière il y avait le cheval d'arçon et la barre fixe, ce sont ses deux points forts et cette chute hors du tapis, mais vraiment près...